Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un terme qui concerne les enfants. Souvent les enfants quand ils nous présentent des coccinelles avec des petits points noirs sur le dos nous demandent est-ce que le nombre de petits points noirs nous indique et nous donne l'âge de notre coccinelle? Alors j'ai eu envie de répondre à cette question. Voilà, alors avant ça, la petite coccinelle, c'est un petit insecte assez sympa. Elle fait partie en fait de la petite famille des coléoptères. En fait, il y en a de différentes tailles et de différentes couleurs. On va en trouver des jaunes, des noirs et parfois même certaines, elles sont poilues. Et puis surtout, elles ont un point commun, elles n'ont jamais le même nombre de points. Alors, est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'il y a une explication? Alors, on va voir pour répondre à cette question qu'en fait, non, il faut détruire quelque part les idées reçues parce que le nombre de points en fait qu'on va trouver sur la coque, enfin le dos de vos petites coccinelles, en fait, ça ne va pas dépendre du tout et ça ne va pas indiquer son âge. Et ça n'indique pas non plus une position sociale, en fait, c'est-à-dire une position dans la société de coccinelles. Donc le nombre de petits points en fait qu'il y a sur le dos de votre coccinelle, en fait, il est prédéterminé en fait dès sa naissance. On appelle ça la génétique ou l'ADN. Oui. L'ADN, en fait, c'est ce qui va faire que tu auras les yeux d'une telle couleur, les cheveux bruns, les cheveux blonds. Et bien, cette petite coccinelle, c'est pareil. Elle a de l'ADN et grâce à cet ADN, et bien, il va y avoir en fait une expression du nombre de points. Donc en fait, pour te résumer, le nombre de points de la petite coccinelle, il dépend de son espèce. On peut avoir des petits points qui vont varier de 1 à 7, voire même jusqu'à 22. Et si les points qu'il y a sur le dos de notre coccinelle, eh bien, ils ne donnent pas son âge, eh bien, la couleur de la coccinelle, elle, en revanche, elle va évoluer avec le temps. Elle est jaune à la naissance et puis après, elle prend une couleur rouge progressive. Eh oui. Eh oui. Et voilà. Et protéger les coccinelles parce qu'on en a besoin dans notre petite chaîne alimentaire et on en a besoin pour protéger notre environnement. Et j'en ai deux. À bientôt. À bientôt.